Mais avant ça, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Restez là, Yann Moix, ça va bien vous sûr, détendre. Plaisir. Alors Bercy s'est lancé dans une traque aux contribuables qui ont oublié de déclarer, que ce soit volontaire ou pas, hein, on oublie parfois, hein, une piscine. Et oui, le fisc utilise des technologies novatrices d'intelligence artificielle pour détecter les constructions cachées. Les algorithmes à la rescousse des contrôleurs fiscaux, c'est ça, hein ? Oui, c'est un article fort intéressant paru hier dans le Figaro qui décrit par le menu comment les nouvelles technologies ont révolutionné le contrôle fiscal. Alors, une pincée d'analyse de données, une pointe d'intelligence artificielle tartinée sur de la photo satellite, un soupçon de cadastre passé à la moulinette et hop, les algorithmes passent tout ça à la casserole et débusquent les piscines bien cachées dans les jardins, ce qui permet au contrôleur fiscal de venir sonner à la porte. Et est-ce que ça fonctionne ? Bien, l'expérience a été lancée en octobre 2021 dans 9 départements français, dont les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône, où ça a été une moisson, un vrai succès, nous dit Bercy. Les pays à piscine aussi, hein, voilà. Plus de 20 000 piscines clandestines ont déjà été identifiées. Ça pourrait rapporter 40 millions d'euros au fisc en 2023. Pas mal. Il fait son boulot, donc le fisc, avec des techniques modernes. On ne va pas le lui reprocher, ça, quand même. Non, Dimitri, mais il ne le fait pas tout seul. Et c'est là que ça devient croquignolet, parce que le fisc a fait appel à des pointures du numérique pour mettre au point sa nouvelle technique de chasse au pédiluve. Capgemini et Google ont été appelés en renfort. Les rois de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, on ne se refuse rien, on y met les moyens. Le dispositif pour optimiser l'innovation fiscale a coûté 24 millions d'euros. Mais attendez, Google, ils s'y connaissent en optimisation fiscale, justement. Oh, c'est des experts, Dimitri, des experts. En 2021, Alphabet, la maison mère de Google, a enregistré un chiffre d'affaires de 258 milliards de dollars, un bénéfice de 76 milliards. Wow. Et en France, ça s'est traduit par un impôt sur les sociétés rikiki de 27 millions d'euros, à peine plus que le coût du dispositif fiscal de pointe pour détecter les piscines. Google profite d'une optimisation fiscale très efficace qui lui permet de déclarer ce qu'il gagne en France en Irlande. En 2019, après une plainte et un redressement, Google avait dû régler 456 millions d'euros au fisc et une amende de 500 millions. Après un accord à l'amiable, c'est le grand bassin au regard des 40 millions d'euros des piscines fantômes. Dans le même temps, l'Europe a énormément de mal à mettre en place une taxe sur les GAFAM, les géants du numérique, pour les empêcher de passer entre les mailles du filet fiscal. Et qu'en est-il de Capgemini ? Eh bien, c'est un gros français, hein, je le précise. Français. Mais vous savez, dans la continuité de l'affaire McKinsey, une commission d'enquête sénatoriale avait pointé que Capgemini s'en sortait aussi très bien pour optimiser ses impôts via le Luxembourg. Il a actuellement un redressement de 17 millions d'euros sur lequel il essaye d'obtenir une ristourne. L'État est bien magnanime avec ces grands groupes. Hein. Ouais, ça laisse un goût de Javel dans la bouche, cette histoire, comme quand on boit la tasse dans une piscine. Hein. On met en branle des moyens hollywoodiens pour choper les petits fraudeurs qui nagent avec des brassards quand les gros malins en yacht font des pieds de nez au fisc. Mais il lui loue quand même le Zodiac à moteur pour attraper les bébés nageurs. J'ai l'image, je tiens l'image. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Je vous dis à demain. Merci Yann Moix. Big Brother est un triton.